mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va extrêmement bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, mes amis, on se retrouve pour la vidéo des 3 ans. 3 ans déjà, ça fait beaucoup. Mes amis, aujourd'hui, on se retrouve pour les 3 ans de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir d'enfin être là. Ça fait un moment quand même, hein, une belle aventure et tout. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour du... Non mais vous êtes tellement nombreux à me demander de faire des vidéos sur Final Fantasy, les voici, enfin on va se faire un Final Fantasy 2 parce que j'aime beaucoup celui-là et non, on va continuer à faire bouger. Alors toi, non, tu commences pas à me saouler dès le début de la journée. Merde. Non mais, il se fout de ma gueule lui là. Non mais, stop, non mais, pour être quand même clair à propos d'un truc quand même, tout le monde fait une remarque effectivement sur son ordinateur. Non mais, à votre avis, pourquoi on se chauffe? À cause de ça. Mais écoutez, pourquoi que ça fait? Mais c'est pas... C'est bon, putain, vraiment, c'est plus possible quoi. Comment tu veux que j'entende quelque chose avec ça? Bon, en fait, si je suis un temps... Oh... Ah oui, non, oui, c'est vrai que tu peux pas... Oh putain... J'ai fait comme ça là, en fait, là, et du coup, comme ça avec la souris, tu vois. Il est 1h du matin, totalement serein avec nous-mêmes. On a peur de rien, parce que... Mais s'ils font dodo. S'il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est que je sais plus c'est quelle date Final Fantasy 2, je crois que c'est même un des tout premiers en fait dans l'histoire de Final Fantasy. Non, c'est le 4, le 2, bah justement c'est le deuxième. Et les mecs, ils arrivent quand même à créer des animatroniques, quoi. Par contre, quand il y a eu la lumière, ça fait ça. Foutage de gueule, ouais, clair. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Ah. Bon, la chica de ce côté-là. La boîte à musique. J'ai failli l'oublier. Tiens. Crise d'épilepsie, connard. J'ai soif. La bouteille. Ça fait du bien. Toi, mec, je te promets, je vais aller dans une déchetterie, je vais te prendre, te casser en deux et tu vas dégager. Aïe, aïe. Bon, putain, c'est étonnant, y'a pas Foxy. Elle a mis vraiment les choses au clair, tu sais, elle est arrivée, elle a fait ta caméra. Qui est là? Pas le faire, hein. Coucou. Ah, mais il s'est rapproché comme ça, là, j'ai rien demandé. Pourquoi ça marche pas? Ils ont ramené la famille. Il est 2h du matin, ils ont dit, vas-y, c'est bon. Ils ont pris 2-3 cafés, là, c'est bon, ils sont partis. On panique. J'emmerde Royal ce jeu, c'est incroyable. Ils se sont tous barrés. Mais les gars, vous êtes stressés. Mais vous êtes stressés à mort, mais je vous ai fait quoi? Bon, ok, c'est l'anniversaire de la chaîne, mais bon, faut pas déconner, quoi. C'est ça mon cadeau, je t'emmerde. Ah. Mais c'est pas possible. Il m'a vu, en fait. Il s'est dit, hey, toi, je t'ai vu, et hey, tu m'auras pas comme ça. Ah, t'es enfin barré. Nope. Ah. Qui c'est qui est encore en face? Encore toi? Mais t'as pas compris. Je ne prends aucun risque. Là, voilà, c'est bon. Oui. Réveillé dans ma sieste, là. Attends, on va essayer. Casse-toi, sale renard roux de merde, parce que je t'aime pas. Là, normalement, il va comprendre. Il a compris. C'est magique. Bon, qui c'est qui est en face là? Encore? Mais il est abonné lui, c'est pas possible. Il s'est abonné à lampetorche.com. Tu m'auras pas, il en est hors de question. J'ai mis le masque. C'était sûr, je t'ai entendu marcher dans les conduits. Tu m'auras pas comme ça à ce jeu là. Qui c'est qui est encore en face? Lampetorche.com, je vous l'ai dit. Ils sont stressés à un point. Ils ont décidé, ils m'ont vu. Ils ont fait, mec, toi, t'es mort. Mais ça fait 2h qu'il est 4h, c'est pas possible. Cette phrase ne veut absolument rien dire, ne cherchez pas la logique. Non. J'ai plus de batterie.
Oui. Et voilà les gens, c'est tout pour Five Nights at Freddy's 2. Oh là là, qu'est-ce que je me suis amusé, ça fait un peu quand même du bien de se faire peur. Vous avez eu encore le droit à un joli petit screamer, j'ai pas vu la tête que je tiens, mais à mon avis je vais mourir de rire comme à chaque fois. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tommy, ciao tout le monde.